messieurs, bonsoir. Nous invitons ce soir à une émission exceptionnelle que nous réalisée en direct par la classe de première LB du lycée Marguerite de Navarre. Celle-ci a été conçue dans le contexte du concours de la Résistance 1997, intitulé « Les femmes dans la Résistance ». Sachant que celles-ci ont tout fait à égalité avec les hommes, tel que l'indique le patriote résistant. Nous pensons théoriser l'engagement des femmes n'est pas nécessaire pour en apprécier leur importance. Il suffira de donner à voir. Pour la réalisation de cette émission, nous allons nous appuyer sur une recherche documentaire avec des images très rares, ainsi que sur le témoignage de nos invités ici présents. Tout d'abord, Madame Comte. Qui, votre nom de jeune fille, Françoise Paysan, qui vient de C et qui fut chef d'entreprise des travaux publics et maintenant qui est à la retraite. Nous avons ensuite Monsieur Genesley, professeur honoraire et retraité et secrétaire général de l'Union départementale des combattants volontaires de la Résistance. Monsieur Croix, du ministère de la Justice, qui est retraité, qui fut trésorier de l'Union départementale des combattants volontaires de la Résistance. Enfin, Monsieur Bourdin, vous qui êtes professeur au Collège Balzac, ainsi que responsable du service éducatif des archives, historien et auteur de plusieurs ouvrages qui traitent l'histoire locale, tels que les paysans ou les lieux de mémoire du département. Notre émission se composera de deux parties. La première sera « Les femmes et résistantes » et la seconde sera intitulée « Femmes résistantes et déportations ». Nous allons commencer cette émission avec un premier documentaire « Les femmes ornaises dans la résistance ». Le temps a fait son temps. Et maintenant, il y a une génération qui est celle de mes petits-enfants, qui est celle de vos enfants à vous, et oui, qui prennent ce relais, ce témoin dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui veulent savoir, qui veulent juger. Et moi, je trouve qu'on est dans une période où j'ai une très grande confiance devant tous ces jeunes, vos enfants, mes petits-enfants, qui sont en train de comprendre ce qui s'est passé, de le juger et de se dire ça ne nous arrivera pas à nous parce qu'on va être vigilants. Et Papon qui va peut-être enfin être jugé, qu'est-ce que ça vous inspire? Et Papon, il n'est pas si vieux que ça, il a un an de plus que moi. Il a un an de plus que moi. Moi, ce que je souhaite, c'est que le jour où Monsieur Papon sera devant un tribunal, pour répondre certes de ses actes, parce que rien n'excuse la mort de gens, même si après on a fait quelque chose de bien. Je voudrais ce jour-là, moi, être devant des élèves de troisième ou de première, enfin des élèves de collège ou de lycée, puis leur expliquer ce que c'est que la mémoire et ce que c'est que l'honneur par rapport à ce gouvernement de Vichy, parce que je pense que Papon, ça va être un support pour juger un gouvernement qui a été félon et déshonoré. Définir le mot résistance est difficile. Lucie Aubrac. Un cours qui porte sur le rôle des femmes dans la résistance. De 1940 à 1945, dans l'ordre comme en France ou dans le reste de l'Europe, les femmes se sont engagées dans la résistance. C'est un peu de leur histoire que nous voulons vous entretenir. À dépasser cette actualité pour comprendre les enjeux évoqués par Lucie Aubrac. Assurer le devoir de mémoire, participer à l'écriture de l'histoire, mieux s'armer pour affronter un avenir menaçant. Qu'en est-il de la résistance des femmes dans le département de l'Orne? Commençons par les traces dans l'espace urbain. Le monument du général Leclerc, les plaques de rue à Bernadette et Jean Mars, déportés résistants, dans la cour de la bibliothèque, la rue André Mazeline, des plaques commémoratives sur le monument à la Résistance, place du Général de Gaulle. Voici quelques traces de la mémoire de la Résistance et de la Libération à Alençon. Plus de 5 autres lieux de mémoire, dans plus de 30 villes du département, les femmes y sont présentes, mais discrètement.
Tournons-nous maintenant vers la presse locale. Dans son très beau recueil d'articles, Les années 40, du pain noir à la Renaissance, Ouest France rapporte le témoignage de plusieurs femmes, jeunes filles ou mères de famille engagées au quotidien dans la Résistance. Dans la Résistance, j'étais agent de liaison. Je travaillais avec Joseph Fimbel. Le 6 juin 1944, j'ai été arrêtée avec Linda et nos trois enfants dans une maison isolée où nous couchions pour la première fois. Nous avons été donnés par des Français. Qui ? Je l'ignore. Quant à Joseph, à qui j'avais prêté ma maison de poisson, il a été tué cette nuit-là après avoir résisté à une patrouille allemande. Trois soldats sont morts. En décembre 1942, un ami nous proposa de faire partie du mouvement de résistance, organisation civile et militaire, organisée dans l'Orne. C'est alors le début d'une longue et dangereuse lutte. Agent de liaison dans un premier temps, Mme Croiset est chargée en 1943 d'établir le contact entre l'Orne et Paris. J'ai même été chargée de récupérer trois aviateurs anglais à Lille. Après des années de silence et parfois de refus, les résistants et les résistantes déportés ont décidé de parler, de transmettre leur expérience. L'Orne est un petit département, l'histoire de la résistance réfère. Il n'en reste pas moins que le devoir de mémoire qui incombe à tout un chacun doit privilégier cette transmission orale avant les travaux des historiens. Cette mémoire a plusieurs voix, celle des témoins et celle de leurs descendants. Et par quelle action avez-vous participé à la résistance ? Participer à la résistance, c'était déjà une résistance. C'est tout lorsque les Allemands ont envahi la zone dite libre, qu'à ce moment-là, il n'y a eu aucune coopération, bien entendu, avec eux. On avait le couvre-feu, on essayait de rentrer quand même après le couvre-feu. À l'époque, j'étais assistante sociale, j'ai convoyé des enfants qui, malheureusement, étaient évacués des grandes villes vers les régions dites rurales. Ensuite, dans ma famille, bien entendu, j'ai eu mon oncle qui s'était évadé comme prisonnier et qui a fait membre actif de la résistance sous le nom du capitaine Thubneau. J'ai été arrêtée par les Allemands quelques heures quand on est venu me prévenir que mon oncle allait être arrêté, qu'il s'est réfugié chez nous. Et je suis partie chez lui pour prévenir sa famille qu'il était en lieu sûr. Des souvenirs en tant qu'enfant de déportés, c'est surtout l'après-guerre. L'après-guerre où, on ne parlait pas politique à la maison, on ne parlait pas de la guerre, on ne parlait de rien par rapport à cette période. Tout était, d'une part, lâché la mort de... du père et la mort les conditions de déportation ont caché vraiment tout pour de manière à ne pas faire souffrir l'enfant. C'était une manière de protéger un petit peu l'enfant. Et en fait, lorsqu'on cache quelque chose à des enfants, il cherche toujours à le retrouver, et finalement j'ai retrouvé pendant toute mon enfance et après l'adolescence et ensuite ma vie d'adulte, toute ma vie je cherche à recouper, réunir des documents et j'ai fait des découvertes. Je ne sais pas tout, mais j'en sais beaucoup, beaucoup plus que ce que ma mère ne peut imaginer aujourd'hui, quoi. Malgré tout ce qu'elle a pu dissimuler dans le souci de nous protéger, parce que perdre un père, c'est pas rien. Et donc, tel que nous l'avons dit, définir le mot résistance est difficile. Lucie Aubrac dit: résister, c'est se tenir debout. Ce qui équivaut à la traduction latine « resistere », ce qui signifie « tenir une position » et « défendre ses principes ». Nous pouvons dire que ces deux définitions montrent bien l'attitude des Français et des femmes ornaises. Avant de passer la parole à Pierre, je
Je dois annoncer que Madame Croiset ne pourra pas être présente ce soir par cause de fatigue, et sa fille l'a amenée à Paris. Donc Monsieur Genestlé nous a fait un enregistrement et que l'on va voir tout de suite. L'adage séculaire qui affirme que la guerre est une affaire des hommes. La résistance, à cause de la grande diversité de ses actions, a permis à de nombreuses femmes de faire leur devoir de patriotes, de participer efficacement, mais dangereusement, à la lutte contre l'ennemi nazi. Elles portent maintenant le titre de combattant volontaire de la résistance. Ce titre, Madame Marie Croiset, vous l'avez bien mérité par la longueur et la plénitude de votre engagement. Quand et dans quelles circonstances êtes-vous entrée dans la résistance? En 1940, mon mari, ingénieur à la Société de distribution d'électricité de l'Ouest, et moi, habitions en Mortagne avec nos deux enfants en bas âge. Comme tout le monde à l'époque, nous avons été abasourdis par la catastrophe qui venait de s'abattre sur notre pays. Mais nous n'avons pas tardé à réagir moralement. La présence de l'armée d'occupation ne faisait qu'exacerber la rage que nous avions au cœur. Mon mari et moi cherchions ce que nous pourrions faire pour participer à la reconquête de notre liberté. L'occasion se présenta lorsqu'en décembre 1942, un ami de mon mari, M. Édouard Paysan, entrepreneur de travaux publics AC, nous propose de faire partie du mouvement de résistance, organisation civile et militaire, qui s'organisait dans l'Orne, sous la direction de M. Robert Aubin, ingénieur du génie rural à Alençon. Nous avons accepté avec enthousiasme. Quelles ont été vos premières activités à Mortagne? J'ai d'abord servi comme agent de liaison entre les chefs des différents groupes. M. Aubin à Alençon, mon mari à Mortagne, M. Paysan à C, M. Darchy à L'Aigle. Je transportais des messages et des documents compromettants, comme des fausses cartes d'identité pour des personnes obligées de passer dans la clandestinité. En 1943, l'organisation de la résistance dans l'Orne s'est développée. Cela a-t-il modifié vos activités? Ah oui, très profondément. Je suis déjà revenu de l'état-major du général de Gaulle à Londres. Monsieur Paysan a créé dans notre département un nouvel organisme BOA, le Bureau des opérations aériennes, qui, comme son nom l'indique, était chargé d'organiser les opérations de parachutage d'armes, de matériel et d'officiers venant d'Angleterre. Je suis devenu l'agent de liaison de M. Paysan. J'étais rattaché au bureau central à Londres comme agent sous le pseudonyme de Galilée III. Ma mission principale était d'établir la liaison entre l'Orne et Paris en ce qui concernait M. Paysan et le BOA. J'ai même été une fois chargé d'aller dans le Nord récupérer trois aviateurs anglais. Après avoir sauté en parachute, ils étaient cachés par un pharmacien d'Armentières. Je devais les amener à Paris par le train. Ce ne fut pas une mission facile. Je ne parlais pas anglais, ni eux français. Et il fallait passer inaperçu dans la foule pour échapper au contrôle de la police allemande qui surveillait tout. Une autre fois,
pendant l'hiver 43-44, une même mission m'a amené à Bordeaux. Notre domicile à Mortagne était aussi le lieu de cachette et d'hébergement des officiers chargés de mission et parachutés dans notre région. D'autres envoyés de Londres étaient des opérateurs qui faisaient fonctionner les postes émetteurs de radio pour communiquer avec l'Angleterre. Chaque semaine, pendant l'hiver 43-44, j'ai assuré leur liaison avec Paris. Le 3 janvier 1944, avec Madame Puravo, directrice de l'école Martinet de Mortagne, j'ai participé à l'évacuation d'un de ses opérateurs radio, de son poste émetteur et de ses armes de protection, alors qu'il était en train d'émettre de la mairie de Mortagne et qu'il était cerné par la police allemande après avoir été repéré par une voiture Goniot de détection. C'était là une opération très dangereuse et vous risquiez d'être arrêté. À cette époque, la Gestapo avait déjà fait des ravages dans les rangs de la résistance de l'ordre et particulièrement du BOA. En effet, après sauvetage en juillet 1943 d'un équipage d'un bombardier américain abattu à Belfond, de nombreuses arrestations avaient été opérées dans la région de C. En particulier, toute la famille de M. le Paysan ainsi que les gendarmes de C. Ils ont été incarcérés à la prison d'Alençon, puis dans celle de Rouen. J'ai fait de nombreux voyages pour leur porter du ravitaillement. À la suite de toutes ces activités, ainsi que de celles de votre mari, ne vous êtes-vous pas senti menacé d'arrestation par la Gestapo? Certainement. C'est ce qui m'a amené, en avril 44, à quitter mon domicile de Mortagne avec mes deux enfants pour chercher refuge chez mes parents en Auvergne. Mon mari, lui, a pris le maquis dans le Perche et a continué à assurer sa mission du BOA. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à rejoindre le maquis de Saint-Martel? Les se sont engagés dans le combat. Pour conserver la mémoire de cette période terrible, nous souhaitons entendre de leur propre voix le récit de leur engagement. Madame Comte, pourriez-vous nous dire quel a été votre rôle dans la résistance? Mon rôle dans la résistance a été d'obéir à papa. Papa m'a fait faire des choses que je n'ai découvert qu'après la guerre. La résistance, il fallait que ce soit très cloisonné. Il fallait aussi qu'on sache ne pas parler si besoin était. Donc je me suis aperçue que j'avais, dès 1941, participé à l'élaboration du plan de la station des radars qui repérait les sous-marins en Manche et qui était stationnée à... Ça y est, j'ai oublié le nom. Je me permets de préciser, de te demander quel âge tu avais à cette époque. Mais je suis née en 26, ça veut dire quand? Ça veut dire que j'avais 15 ans, quoi. Non, pour pouvoir 14 ans, oui. L'assistance apprécie, ils prennent... ce que tu vas dire maintenant. J'avais votre âge ou à peine, quoi. Oui. Hein? Alors, cette station de repérage des sous-marins, qui était au Cap d'Antifère, ça y est, oui. Je me rappelle. Du Havre. Oui, au nord du Havre. Donc là, papa a été nanti d'un osvaes, d'une panne préalable provoquée pour que les installations ne marchent plus. Papa est descendu au bas de la falaise voir comment c'était. Mais pendant ce temps-là, il m'a posté et puis il m'a dit, bon ben tu vas dessiner tout ce que tu vois sur la falaise.
ça n'est qu'une dizaine d'années après la guerre que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, oh Françoise, quand je pense que votre papa nous a fait, que j'ai pu acheminer à Londres le plan que votre papa vous a nous a donné, le plan, j'ai su à ce moment-là que j'y avais participé. Je faisais aussi des liaisons, comme m'a dit Madame Croiset. C'est-à-dire que j'apprenais des choses par cœur, qui n'avaient, je ne me rappelle plus maintenant, mais à cette époque-là, on était très bien rodés, on savait le si depuis le premier vers jusqu'au dernier, Paulieu, Théatali. Bah oui, c'était notre façon d'être éduqué à l'époque, d'être instruit à l'époque, et partir de ces à de C à Sablé, de C à Mortagne, de C à Argentan, à vélo, avec un message, en rapprendre un autre et leur dire à papa, voilà des missions que j'ai remplies. Acheminer aussi, parce que mes parents faisaient partie d'un réseau d'évasion, acheminer des soldats, des aviateurs, en l'occurrence polonais, qui était arrivé à la maison, et donc qui était une station parmi une filière, hein, oui. Le long d'une filière, de les emmener à travers champs, sautant les ruisseaux, les haies, etc., en sécurité pour une nuit, puis d'aller leur porter une grande gamelle de soupe. Je les ai vus que ce soir-là, parce que le lendemain, quelqu'un d'autre les avait pris en charge. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait déjà beaucoup de choses, oui, oui. Ça m'a permis de connaître beaucoup de, j'allais dire, beaucoup de gens, et beaucoup de gens différents. Je venais à Alençon porter des messages au pasteur Robert. J'allais chercher des cartes d'identité, des fausses cartes d'identité, et des... C'est passé. Les tickets de ravitaillement. Ah, ticket de ravitaillement, hein, à Saint-Denis-sur-Sarton. Chez Monsieur Janvier. Chez le secrétaire de mairie. Chez Dallier, oui. Oui, c'est Monsieur Dallier. Bon, j'allais chez Monsieur Rousseau à la SDO porter des messages. Mais alors là, je ne les apprenais pas par cœur. Et j'ai réalisé aussi, bien après la guerre, que j'avais porté des messages sans le savoir. Parce qu'une ou deux fois, papa m'a dit, ben, ça y est, j'ai encore un transformateur qui est en panne, j'ai besoin d'huile, faut que t'ailles chez Monsieur Rousseau à Argentan chercher de l'huile dans un petit bidon de 2 litres. Quand après la guerre, j'ai réalisé qu'il fallait 300 litres d'huile dans un transformateur, j'apportais mon petit bidon vide, je rapportais mon petit bidon. C'était certainement pas innocent. Et vous, Monsieur Croix, votre mère était une... Alors moi, comme Françoise, j'avais donc 14 ans à l'époque, en 1940. Et c'est son père, moi c'est ma mère, qui m'a lancé dans cette affaire, parce que ma mère, qui était Lorraine, avait été coincée dans ce qu'on a appelé la guerre de 14, des territoires envahis. Il s'en était suivi une aversion totale de tout ce qui était allemand. Et l'arrivée des Allemands en 1940 a été un drame terrible. Ma mère était déchaînée, disant, c'est pas possible, les revoir là encore 20 ans après, mais enfin, qu'est-ce qui a pu se passer? Et elle ajoutait aussitôt, on ne peut pas laisser faire ça, faut qu'on leur fasse des vacheries. Alors les vacheries, c'était pas facile à faire, puisque nous étions les mains nues, nous n'avions rien. Nous avions en face de nous une armée super disciplinée, super équipée, magnifique, avec un matériel rutilant, nous étions complètement submergés. Alors, naturellement, les premiers accrochages avec les soldats allemands. Les soldats qui étaient d'une correction parfaite, il faut l'ajouter, mais enfin, rentraient partout, se servaient de tout, prenaient de l'eau au puits. Ma mère, ça l'agaçait, ça l'énervait. Un matin, elle me dit, écoute, on ne peut pas tolérer ça. Demain matin, tu te lèveras une heure avant, tu as de l'eau à boire à tous les abreuvoirs, aux bêtes et tout ça, et tu désamorces la pompe. Bon, on avait des hommes qui désamorçaient la pompe. Les deux autres, ça menait avec des seaux de toile pour ça. Ah, il n'y avait plus d'eau. Bon, ma mère était contente. C'était le genre de... Quand j'allais au village, les gens du village me disaient, mais enfin, ta mère n'est pas raisonnable, elle va nous faire arriver des ennuis, voyons, ça va le finir. Et quelles ont été ces autres actions? Alors, nous avons été confrontés très vite à un autre problème, c'est que je résidais dans le département de la Marne, dans un petit village, dans une campagne, et nous avons été confrontés à un problème, c'était que l'armée française, en 1940, au moment de la retraite,
avait abandonné sur place un important matériel. Du matériel, on en trouvait partout. Et les Allemands avaient fait passer des affiches disant que tout matériel militaire qui était trouvé devait être ramené dans les gendarmeries ou dans les mairies, et qu'en tout cas, toute détention de matériel militaire était passible de la peine de mort. Alors, le garde champêtre était venu chez nous parce que nous étions un quartier isolé, assez isolé en campagne, nous répercuter les instructions. Ma mère dit, oui, vous en faites pas, on va s'occuper de ça. Et comme nous allions au ravitaillement de nos bêtes avec une brouette, une grande brouette qu'on avait à l'époque, et nous changions de l'herbe là-dessus, des branchages pour des chèvres, et ma mère me disait, maintenant, allez, hop, on ramasse. Alors on ramassait tout un tas de matériel, on trouvait de tout. Et nous allions à peu près à 200 mètres de chez nous, il y avait une ancienne carrière qui s'était trouvée désaffectée, elle était inondée, on appelle ça le lac par là, et ma mère disait, bon, il n'y a personne, vas-y. Et pendant que personne ne voyait, on balançait tout le matériel dans le lac. Et ça a duré comme ça jusqu'au mois de septembre 1940, date à laquelle, vers le mois de septembre, deux gendarmes français de la brigade sont venus à la maison. Et ils venaient enquêter parce qu'ils ont dit à ma mère, voilà, nous enquêtons, parce qu'il y a eu des carriers et puis des bûcherons qui se sont plaints que leur cabane avait été cassée, les portes avaient été fracturées, on leur avait volé des outils. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'anormal? Alors ma mère dit non, on n'a rien vu, c'est vrai, on n'avait rien vu. Alors il y a un des gendarmes qui dit, bon, ben, je vais consigner ça sur mon petit carnet, il avait un carnet dans son sac, dans sa musette, dans sa sacoche. Et il commence à écrire les déclarations de ma mère, et puis à ce coup, il dit à son collègue, tiens, dis donc, va donc plus loin, là, jusqu'à chez Grésilin, chez Givry, c'était deux maisons à peu près à 300 mètres de chez nous. On leur demandait s'ils n'ont rien vu, eux. Il dit, moi, je termine ici, et puis on va se retrouver après. Alors le gendarme monte sur son vélo, parce qu'à l'époque, ils allaient en vélo, et de la partie, dès qu'on était tout seul avec l'autre gendarme, il nous dit, mais il finit son remplir son truc, puis il nous dit, dites-donc, Madame Croix, mais il est dans votre secteur, là, dans votre secteur isolé, là, vous ne trouvez pas d'équipement militaire, vous ne trouvez rien? Il dit, j'ai regardé le cahier à la brigade et le cahier aussi à la mairie, je n'ai pas trouvé votre nom. Et il ajoute aussitôt, il dit, vous savez, vous pouvez avoir confiance en moi. Parce que dit, moi j'ai confiance en vous, parce que dit, je connais vos sentiments. Ça faisait longtemps que je suis à la brigade, je connais vos sentiments. Alors ma mère a dit, oui, moi j'ai parfaitement confiance en vous aussi. Je sais que malheureusement vous avez eu deux frères de toi à la guerre 14, et j'ai confiance parfaitement en vous. Mais elle lui dit, voilà, nous les armes on en trouve de tout, mais avec le gamin, c'est donc moi. Elle lui explique notre manège. Alors c'est là que le gendarme lui dit, écoutez, tout de suite, il ne faut pas détruire le matériel. Il dit, je m'en doutais qu'il y avait quelque chose comme ça. Il dit, ce qu'il faut, c'est le stocker, le camoufler. Il dit, parce que tout de suite, on est complètement écrasé, complètement esquinté, mais moi, j'ai confiance, c'est pas possible. La France ne peut pas s'écrouler comme ça. Il y aura des revirements, ça durera peut-être plusieurs mois, plusieurs années, mais un jour, on s'en sortira. Et un jour, on aura besoin peut-être de ce matériel. Alors, il dit, surtout, il ne faut pas le détruire. La mère, elle dit, oui, tout ça, c'est bien joli, mais où on va cacher ça? Oh, ben, dans tous vos bâtiments que vous avez là, on va bien trouver une cachette. Alors, il nous avait indiqué une cachette dans un faux grenier qu'on avait dans un poulailler. Et il a dit, je suis en train de m'organiser. Je suis en train de prendre des contacts. Il dit, je vais m'organiser et dans quelques temps, je vous dirai ce qu'il faut en faire. Mais pour l'instant, silence absolu, vous stockez et vous n'en parlez à personne. Ça a été notre première action. Par la suite, il y a eu d'autres actions. Et quelles pouvaient être les conséquences de cet engagement pour vous, mais aussi pour votre entourage? Madame Comte, les conséquences, ça a été... Je vais vous dire qu'il n'y a pas très longtemps... C'est même cette semaine, j'ai retrouvé un livre qu'un ami de mes parents m'avait donné, et ça faisait partie de mon éducation à l'avenir. C'était Sœurs d'armes. C'est un livre qui parle de la détention, de l'action de la détention et de la fusillade subie par une femme en la guerre de 14-18. Les trois chapitres, c'est servir, souffrir et mourir. Voilà les... Et on me l'avait donné en 1938. Parce que la résistance chez nous, on l'a commencé en 1938-1939. Quand des juifs d'Autriche venaient en France, et avec des amis, dont M. Grisard, qui était imprimeur à Alençon, ils venaient en France et ils restaient un certain temps, le temps d'avoir leurs papiers pour pouvoir passer en Amérique.
Et j'ai connu plusieurs familles comme ça qui passaient chez Grisard ou qui passaient assez dans notre ville. C'était des gens qui ne parlaient pas français, qui fallait quand même... Tu vois, c'est quelque chose de différent. C'est pas forcément résistant, mais c'était l'approche. C'était déjà l'esprit de résistance. C'était déjà anti-nazi, puisque ces gens, ces juifs fuyaient le nazisme en Allemagne. Voilà. Donc ils cherchaient refuge provisoirement en France avant d'aller plus loin. Malheureusement. Et il y avait déjà, à cette époque, des réseaux qui permettaient à ces gens. Hein, et il y avait aussi, à cette époque, une partie de la population, très minime, bien sûr, mais qui était conscient de ce qui se passait, de ce qui se passait en Allemagne et du nazisme qui montait et de la destruction des juifs qui commençait à commencer, enfin qui commençait. Et donc. Mais ce qu'on risquait, c'était d'être fusillé, d'être emprisonné, d'être fusillé. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est la déportation. C'était pas un sujet abordé à l'époque. Si, c'était un sujet. Non, c'était pas un sujet. C'était un sujet quand même qui était sous-jacent dans ma famille, puisque moi, on m'avait donné ce livre. Et c'était pas innocent. C'était pas innocent. Hein? On m'avait aussi donné à lire, et c'était très bien écrit, Les Oberlés de Hervé Bazin. C'était très bien écrit, mais c'était le drame qui avait été vécu dans une famille. Alsacienne en 1870 et où il y avait ce qui s'est répété en France avec Pétain, il y avait la moitié de la famille qui était pour les Allemands et puis l'autre moitié qui était pour la France. Mais c'était abordé. Et je me rappelle quand Pierre Brossolette s'est défenestré pour ne pas parler, on en a parlé à la maison. Donc on savait si on était attrapé. Moi, enfant, je savais que pour pas parler, il faudrait peut-être se jeter dans le vide. Mais est-ce que non seulement les résistants, mais aussi leur entourage, peut-être leurs enfants ou bien leur famille, pouvaient être pénalisés à la place des résistants si... Bien sûr, si on était dénoncé, si... Même la famille. Même la famille. Chez nous, on a été 5. Hein. Oui, il faut dire que ta famille entière a été. Chez nous, on a été 5. Sauf ton père. Oui, sauf papa, qui lui a été pris après au maquis de Saint-Marcel. Hein. Mais nous avons été 5. Les grands-parents. Bazin. Les grands-parents, ta mère et toi. Oui. Oui, et puis 5. Maintenant, on a été 5, oui, parce qu'il y a papa après. Mais après, il y a papa. Maintenant, je vais m'adresser à messieurs Bourdin et Genestlé, les deux historiens de notre émission. Tout d'abord, je voudrais savoir quel était l'effectif féminin des Français dans la Résistance. Alors, si vous voulez, l'histoire globale de la Résistance n'est toujours pas faite. Bon, cependant, des statistiques ont été faites. Et sur le Calvados, sur la Manche, sur l'Ille-et-Vilaine. J'ai pu avoir, grâce à M. Gallias, les chiffres du nombre de combattants volontaires de la Résistance, ceux qui ont officiellement leur carte. Alors, bon, ça pose des problèmes, on en reparlera après. Et disons que pour avoir sa carte de combattant volontaire de la Résistance, ça demandait un engagement certain, prouvé, officiel, de longue durée, et qui demandait des actes affirmés et de courage. Au moins 3 mois avant le débarquement, et avec témoins. C'est pour vous dire que ces gens-là, leur carte, ils la méritent. Bien. Alors, il y a dans le département 900 combattants volontaires de la Résistance. Bon, j'ai vu d'autres chiffres qui donnaient... Oui, c'est le dernier chiffre donné par M. Gallias. Alors, j'ai eu toute la liste. Oui. J'ai fait le dépouillement. Oui. Alors, certains chiffres donnent 1500 dans l'armée de Démeule. Oui, bon, je sais. Bon, mais alors, bon, il y a des combattants volontaires du dernier moment, et puis après le débarquement, des aides, etc. Oui. Non, c'était avant le débarquement, disons au mois de mai, mai 44. Mais leur carte, c'est, j'ai fait le calcul total, c'est 900. Alors, combien de femmes? Et là, ça va poser des problèmes. 60 femmes
On leur capture 900. Ça donne une statistique d'à peu près 6-7%. On retrouve, attendez, oui, c'est normal, on retrouve cela, c'est un beau problème, on retrouve ça dans le Calvados, on retrouve à peu près les mêmes statistiques dans l'Ille-et-Vilaine. Alors, je dirais, est-ce que c'est un chiffre faible ou un chiffre fort? Vous permettez, oui, vous m'excuserez de me substituer à vous un instant, mais il ne faut pas oublier que c'est seulement à partir de 1938 que les femmes ont commencé à bénéficier de certains droits. Jusqu'à cette époque-là, une femme ne pouvait pas se présenter à un examen, elle ne pouvait pas se faire inscrire en faculté, elle n'était ni éligible ni électrice. Ceci conditionne aussi cela. Et alors, si vous voulez, est-ce que c'est un chiffre faible ou un chiffre fort? Vous ne pouvez même pas avoir un carnet de chèque à son nom. Mais je voudrais préciser, oui, je ne sais pas, excusez-moi, mais nous sommes ici en réunion contradictoire. Oui. Non, je ne sais pas ce que dire. J'ai moi aussi fait mon enquête auprès de l'Office des anciens combattants, et M. Galias, par intermédiaire d'un de ses collaborateurs, m'a fourni une liste de 124 femmes avec nom, prénom, date de naissance et de résidence. Alors, la dernière liste qu'il m'a fournie, je fais le décompte, on ne va pas discuter. Alors, est-ce que c'est un chiffre faible ou un chiffre fort? On peut de fait dire que c'est un chiffre assez faible. Mais c'est vrai que jusque-là, les femmes ne participaient pas à la vie politique, n'étaient pas des militantes, relativement peu dans le syndicalisme. Et on peut dire que dans la résistance, véritablement, c'était leur premier grand acte d'engagement militant. Et je dirais que dans l'histoire générale des femmes, la résistance marque en ce sens une véritable rupture. Alors pourquoi, bien souvent aussi on peut se poser la question, pourquoi les femmes sont-elles relativement peu nombreuses parmi les sévères? Justement, là, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'elles n'ont pas participé à la résistance. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et c'est que, bien souvent, elles agissaient, n'est-ce pas, on dit toujours dans la société de 1944, c'est-à-dire que c'est l'homme. Voilà. Oui. Et c'est-à-dire qu'elles agissaient en tant que mère, en tant que fille, en tant que sœur, en tant que fiancée. On pourrait citer X cas comme cela. Et si vous voulez, les résistants ont joué un rôle considérable en tant qu'aide. Et on ne peut absolument pas imaginer qu'un résistant puisse s'engager dans la résistance sans qu'il y ait l'aide de la famille. L'aide de la femme, de la fille, des parents. Et d'autre part aussi, alors, si on cite et ce qui se passe aussi, c'est qu'après, à la libération, alors je me pose une question. Est-ce que les femmes n'ont pas, ont-elles osé ou non réclamer leur carte de sévère? Parce qu'on pensait, alors on est toujours dans l'esprit de l'époque, que si le mari a la carte de sévère, c'est toute la famille qui est honorée comme résistante. C'est pourquoi, bon, je suis de formation très historien et statisticien, mais je crois qu'il faut se méfier en ce sens-là, des chiffres et de la valeur politique des statistiques. Alors, si on donne quelques exemples précis de l'aide apportée, et on pourrait dire d'abord distribuer des tracts dans les lycées. Dès 1942, il y a des jeunes filles à Alençon et à Lecques qui sont exclues des lycées pour distribution de tracts. Participation au réseau de renseignement. Et il ne faut pas oublier aussi un autre phénomène. La résistance, parfois, était vue comme un engagement militaire. Or, l'affaire des femmes, l'affaire militaire, ce n'est pas l'affaire des femmes. Je vais ajouter que l'engagement militaire n'a pas été immédiat. Oui. Cet engagement militaire, en fait, s'est concrétisé à partir de 1944, début, lorsque nous avons reçu des armes. Avant, c'était sur le papier que Demeul et autres avaient constitué l'armée secrète. Mais elle n'est vraiment entrée, enfin, était... Oui. Capable d'entrer en action qu'à partir du, disons, d'avril 44 pour moi, pour ce que j'en sais. Alors, les femmes ont participé à des réseaux de renseignement. Oui. Il y a eu, par exemple, Paulette Duhal d'Affler. Oui. Et très tôt, Paulette Duhal, peut-être en 40. Caché des pigeons voyageurs, participé à la fabrication de fausses cartes, écouté la radio,
Et alors, à partir de cacher des armes, servir d'agent de liaison, puis à partir de 1944, aider à la constitution de maquis. Oui. N'est-ce pas? Il y a eu des maquis, par exemple, dans la forêt des Couves. On ne peut pas imaginer un maquis sans quelqu'un qui apporte du pain, par exemple. Et ça veut dire une aide des filles de boulangères, par exemple, qui vont apporter du pain. Et les Allemands, par exemple, dans la forêt de Belém, sont tombés sur la fille d'un boulanger, donc torturés. Ou, pour les fermières, apporter de la nourriture. Oui, c'est surtout les femmes. Hein? Et il ne faut pas oublier que cet aspect secondaire des femmes est très important, dans la mesure où, de 40 à 44, on vit en partie dans une société qui est féminisée, ah, oui, du fait que les prisonniers sont en Allemagne. C'est-à-dire que le rôle de la femme est excessivement important. Ah, oui. Et j'ajouterais... Pardon. Justement, je voulais vous poser la question. Face aux Allemands, donc les occupants, et face à Vichy, est-ce que les femmes avaient des rôles différents, des missions différentes? Alors, je dirais, la femme a été un enjeu politique énorme. N'est-ce pas, en 1940-42, premièrement par rapport à Vichy, il est certain que la propagande de la Révolution nationale a visé, entre autres, a visé les femmes. Qu'est-ce que c'est que la femme pour Vichy? Et c'est l'épouse, la mère, la ménagère. Et alors, on pourrait citer un certain nombre d'exemples. L'épouse, les affiches, on la voit toujours soumise au mari. La ménagère. Et l'épouse est soumise au mari, et il y a des textes, des règlements qui encouragent la femme, dans la fonction publique ou d'origine, à quitter le travail pour retourner à la maison. Et tout ça soumise au mari, les lois sur le divorce sont compliquées, etc. Et la ménagère. Mais Vichy va s'appuyer sur les femmes pour dire, on vit dans une période de restriction, il n'y a pas d'aliments, c'est la femme qui doit s'opposer par son organisation, par sa débrouillardise, pour pouvoir nourrir tout le monde. Bien, et enfin la mère, il y a un encouragement très fort à la natalité qui a commencé avant 40, qui s'est poursuivie après 44. Mais la natalité vue dans un certain sens, on veut que la femme ait de bons enfants pour régénérer, j'emploie des termes de l'époque, régénérer la race française. Bien, et en plus de ça, la femme est mère, mais la femme est éducatrice. C'est-à-dire que toute la pensée de Vichy, contre la République, et sur le retour à la terre, contre le retour, disons, de la négation du suffrage universel, par exemple. On pense que toute la négation de la République, on pense que toute cette éducation-là doit passer par la mère qui reste au foyer. Et dans l'enseignement, n'est-ce pas, il y a des textes qui empêchent la femme de continuer ses études où ça, on rend ça plus difficile. Et je dirais qu'il y a quelque chose de très symbolique. C'est que, qu'est-ce qui remplace finalement Marianne? C'est Pétain. C'est un homme, Vichy, qui remplace un symbole féminin de la République française. Et celles qui résistaient ne résistaient pas seulement contre cette image-là. Alors, refuser... Oui. On va arriver quand même à des faits concrets sur l'histoire de notre département. On vient de parler des femmes, bon, des femmes au foyer, les femmes. Il faudrait, je crois, on a dit que les maris avaient plus ou moins accaparé, entre guillemets, hein, le titre de résistant. Il est un fait que très peu de femmes, enfin assez peu de femmes, ont, dans les périodes de distribution des cartes, si on peut dire, fait acte de candidature. Je fais partie de la commission des cartes à l'Office des anciens combattants. Beaucoup de femmes, nous les avons récupérées, si on peut dire, certaines qui apparaissent sur la liste, nous les avons récupérées relativement récemment, parce qu'on a pensé que c'était absolument injuste de les avoir oubliées dans l'attribution de ces cartes. Hein? Parce que, bon, alors, c'est un autre point. Il faut dire que la France de l'époque, tout au moins dans notre département, c'est une France essentiellement rurale. Bon. Et la résistance, c'était à la campagne. Ça n'a pas eu, comme à Paris, une résistance urbaine.
ou pratiquement pas. Bon, et par conséquent, tout se passait dans les fermes, en fait. Bon, d'une part, il y a eu le service du travail obligatoire, les réfractaires au service du travail obligatoire, qui ont trouvé refuge à travers toutes les fermes du département. Oui. Et la femme, par conséquent, était complice, quand c'était le mari qui avait amené à la maison. Bon, cette femme, quand nous amenions, je parle d'une expérience personnelle, quand nous amenions des aviateurs anglais, d'abord américains, les fameux américains de Bellefonde, de 43, j'y étais, bon, quand nous les avons amenés dans les dépendances de la ferme, la femme était au courant. Bon, et il y a eu autour de ces, mon ami, là, pour être témoin. Maman les a calmés, puisqu'ils étaient dans une double haie. Papa est venu chercher maman, qui parlait l'anglais couramment, ben oui, et qui a pu leur expliquer la situation et leur dire c'est de ça. Quoi ils retournaient et ce qui allait se passer. Mais il y a, en ce sens-là, il y a eu des manifestations de femmes à Alençon quand les gens qui partaient en Allemagne pour le Oui, alors ça aussi, oui. Mais bah, c'était les mères qui voyaient partir leur fils. Et ma grand-mère paternelle a participé aussi à ce qu'a fait mon grand-père. Ben oui, et oui, comme elle est restée en Allemagne, eh ben, elle n'a pas, elle ne figure pas sur les registres. Ben oui, oui, alors. Ça aussi, oui, parce que sa mère, la grand-mère n'est pas revenue parce qu'elle est morte en déportation. Bon, elle n'a pas eu sa carte. C'est dommage, parce qu'il y avait droit. Bon, alors, je continue, si vous permettez. Bon. Ah bon. Ben, je voulais quand même dire que ces femmes, quand par exemple, dans les fermes, c'était là aussi qu'on stockait les armes sous le tas de fagots, sous la barge de foin. Et quand, sur dénonciation ou par recoupement, je ne sais comment, la police allemande arrivait là, eh bien, le mari était fusillé, la femme était déportée, et puis la ferme était brûlée. Vous voyez ? Et donc voilà des cas où les femmes ont été engagées dans la résistance et ont payé souvent très cher. Il y a des cas en 40-44, lorsqu'il y a une milice véritablement milice dans l'ordre qui a été organisée au service des Allemands, une soixantaine de brutes, il n'y a pas d'autre terme. Oui. Et quand certains et qui a tourné autour de la plaine et de la forêt des Couves, forêt de Persagne, coin de Courtemer, où est-ce que cette milice allait-elle d'abord dans les fermes de torturer les fermières, les bonnes, les domestiques, les faire parler, pour avoir des renseignements. Bon, et beaucoup de gens étaient arrêtés, malheureusement. Oui, un dernier mot, lorsque nos camarades étaient arrêtés, souvent la femme était torturée. Je lisais encore hier soir, l'arrestation de notre camarade, de notre collègue, l'ouvrier, instituteur à Signan-Gouferne. Bon, il a été massacré, emmené en déportation, et sa femme a été devant lui, humiliée, torturée, sur la table de la cuisine, etc. Bon, enfin, je m'arrête là. Oui. Une dernière question très rapide, s'il vous plaît. A-t-on parlé et pris en compte la participation des femmes après la guerre ? On en a parlé déjà, mais... Alors, bien souvent, n'est-ce pas, lorsque... Dans un mouvement, dans un groupe, une femme a participé à la résistance. On l'a incontestablement mise en valeur. Je prends par exemple, je peux me tromper sur le prénom de Marie-Madeleine Fourcade, et je pourrais prendre des exemples ornés comme Paulette Duhalde, ou par exemple Mademoiselle Vielle ou Mademoiselle Pantou, il y a des exemples ornés de femmes déportées. D'ailleurs, on les a mises en valeur. Et si vous voulez, il y a quelque chose d'intéressant quand on prend les statuts de l'après 45. L'homme, le déporté, c'est souvent un homme. Mais sur les statuts, sur la façon dont c'est représenté. Mais prenez par exemple au sommet de la pyramide, c'est une femme. C'est-à-dire que l'image de la femme a été considérablement valorisée. Et je dirais que par intermédiaire de la femme, on retrouve presque la République, on retrouve presque Marianne. Et ça apparaît dans tous les lieux de mémoire, ou presque. Par exemple, pendant la guerre 14-18, on a toujours le soldat français. C'est ça, pas tout, non, il y a souvent, le soldat est associé à Marianne, mais tandis que là, si vous voulez, l'homme, c'est souvent le déporté, mais celui qui donne les idées, celui qui donne la mémoire, c'est souvent, celle qui donne l'idée, c'est souvent la femme. Alors, quelquefois, la femme est associée à Marianne, elle peut être associée à Jeanne d'Arc. Par exemple, on va à Flers, à l'hôtel de ville, il y a une statue qui représente Paulette Duhalde, et plus ou moins confondue avec Jeanne d'Arc. D'accord. Voilà.
en grande partie l'importance de la résistance et des femmes dans l'Orne. Maintenant, avec un prochain documentaire sur les femmes dans la résistance face au nazisme, nous allons voir en quoi elles s'étendent dans toute l'Europe. Pour elle résister. Résister pour Simone Signoret et d'autres acteurs a pris un double sens pendant et après la guerre. Témoigner comme les autres femmes, mettre son talent d'acteur au service de la mémoire de ces années terribles. Ce film-là, je l'ai tourné en 1947. Donc, c'était très très proche. Tout ça, on en était à peine sorti. Hein. Il n'y avait qu'une différence, c'est qu'il n'y avait pas les Allemands dans les rues. Mais l'ambiance même était tellement proche encore, ne serait-ce que ça a l'air bête de parler de choses très vulgaires comme les tickets d'alimentation ou de textile. Elles étaient toujours là. Donc, il n'y avait aucun effort d'adaptation à faire, ni d'invention. Avoir été résistant pendant l'occupation, ça ne veut pas dire avoir résisté aux tentations, ça veut dire avoir appartenu à un réseau de résistants. Et il y en a eu très peu des gens qui ont appartenu à des réseaux de résistants. Ce que des gens comme moi nous avons été, on s'est pas mal comporté, c'est déjà pas mal. Et on a résisté, entre guillemets, en ce sens que, quelquefois même sans savoir, on a aidé à faire des choses où on a aidé des gens. Après, j'ai appris des choses que je ne savais pas sur la résistance. J'ai appris en particulier comment on formait des gens qu'on allait lâcher sur les territoires occupés. C'est des choses que nous ne savions pas, nous autres. D'autres femmes, résister, c'était participer aux actions de la résistance contre l'occupant et contre le régime de Vichy. D'abord, lutter contre la désinformation par des tracts, des journaux clandestins. Pour faire passer la ligne de démarcation, passer le message des réseaux de résistance, nombreuses sont les femmes agents de liaison. Et puis, dans des circonstances exceptionnelles, elles ont dû manier les explosifs pour les sabotages, et exécuter des soldats ennemis. C'est justement à cet acte que, encore aujourd'hui, les foules considèrent comme extraordinaire, qui a été celui d'abattre, inofficiellement, à bout portant presque, je crois. Oui, juste au moment de la libération de Paris. Comment ça s'est passé? Bon, là, cet acte particulier, particulièrement, disons, spectaculaire, que j'ai fait, était fait pour ça, et était fait pour être spectaculaire, parce que depuis le débarquement allié, le contexte avait complètement changé, hein, l'espoir avait changé de camp, les Allemands s'accrochaient très très fort et tuaient très fort dans leur retraite, et, par exemple à Oradour. Mais enfin, notre travail, les mots d'ordre que nous recevions de nos chefs, du comité parisien Libération d'Île-de-France,
c'était de, pour notre part, nous qui étions la branche armée du Front National, nous étions FFI, notre travail à nous, c'était de multiplier les actions de guerre, notamment en plein jour, afin de, tandis que les cheminots faisaient grève, tandis que bon, etc., tandis qu'il y avait des manifestations de ménagères, etc., de faire monter le niveau de combativité patriotique de la population parisienne, de lui donner confiance en lui montrant que c'était possible et même que c'était le bon moment. En Yougoslavie, en Pologne, en Russie, d'autres femmes ont choisi de refuser l'oppression nazie. En Allemagne. En Allemagne, la propagande du Reich avait anesthésié bien des consciences. Le spectacle de la force nazie fascinait les foules. La terreur de la répression régnait partout. Néanmoins, il y eut des Allemandes pour organiser une contre-propagande. Les communistes s'enfoncèrent un peu plus dans la clandestinité et quelques organisations de résistance se créèrent comme la Rose Blanche. L'étudiante Sophie Scholl en fit partie. Elle mourut décapitée à 18 ans après une distribution de tracts anti-nazis. Il nous était resté de vieilles presses d'avant 1933. Nous pouvions donc imprimer des tracts. On s'informait en écoutant des radios étrangères, anglaises et autres. Cela nous permettait de nourrir nos articles dans nos journaux clandestins. Vous vous rappelez les articles ? Je me rappelle que certains portaient sur les premiers camps de concentration ou sur la position des fronts. La France avait déjà été envahie quand la nouvelle nous est parvenue. Nous l'avons relaté dans nos pages. Mais la qualité de l'imprimerie était mauvaise. Nous faisions de notre mieux avec des petits groupes de 5 ou 6 personnes. Aujourd'hui, le cinéma, la télévision, la presse et la littérature rendent hommage à toutes ces femmes, à toutes ces mères qui, par conscience, ont fait le choix de donner leur vie au service de la liberté. Tel que nous venons de le voir, les membres de la résistance devaient faire face aux dangers, aux épreuves et aux échecs. Les femmes qui s'engagèrent clandestinement en Europe avaient toutes qu'une seule idée, mettre fin au nazisme. Et c'est avec Aude que nous allons découvrir l'importance de ces femmes dans la résistance. Alors, je vais donc m'adresser à Madame Comte. Pourriez-vous nous dire en quoi consistait le réseau Hector ? Je n'ai pas connu le réseau Hector. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je peux répondre. Oui. Bon, le réseau Hector, comme tous les réseaux, se sont créés très rapidement après la défaite. C'était des réseaux en fait, d'espionnage. Dans tout pays en guerre, l'ennemi a besoin, enfin l'adversaire a besoin de savoir ce que fait l'ennemi en face. Et c'est pourquoi dès 40, se sont constitués des réseaux. Dans l'Orne, le réseau Hector a fonctionné à ma connaissance, ben, nous avons encore quelques survivants qui ont fonctionné à partir de Mortagne, Lemel, L'Aigle, Alençon, avec des ramifications dans l'Eure. Nous avons un camarade qui était dans l'Eure, qui est encore vivant. Et ce réseau donc, était chargé en fait d'espionner l'armée allemande et de transmettre en Angleterre ben, les renseignements qui étaient recueillis sur les mouvements et l'organisation de l'armée. Bon, ce réseau, comme tous les réseaux à plupart à ma connaissance, a été démantelé au printemps 1942 parce qu'il a été trahi. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Et c'est ça qui a amené les premières arrestations à ma connaissance dans l'Orne. Bon, l'arrestation à Mortagne du docteur Plancher, directeur de l'hôpital qui était un des créateurs, je parle de l'Orne.
Il est possible que ce réseau ait eu des ramifications ailleurs, mais dans le docteur Plancher, M. Menu, qui était administrateur de l'hôpital, il y a eu ici à Alençon l'abbé Bidot, qui était professeur d'allemand à Saint-François, M. Mars, qui était fondé de pouvoir à l'abbé Hérault, et ses deux enfants, Bernadette et Jean. Tous ces gens-là ont été arrêtés, et d'autres, malheureusement, déportés. Certains ne sont pas revenus, comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'on a évoqué le souvenir de Bernadette et Jean Mars, qui sont morts en déportation. Mais il y a eu d'autres réseaux, et il pourrait vous parler, lui, mon camarade M. Croix, pourrait parler du réseau auquel il a appartenu dans la Marne, et qui a été aussi démantelé de la même façon. Il a été trahi. Il y avait du contre-espionnage allemand, naturellement, et ce contre-espionnage était très efficace. Vous pouvez nous parler de... Oui, alors nous, en 1941, au printemps, nous avons été recontactés par notre ami, le gendarme que je vous ai parlé, et il est venu nous dire, voilà, cette fois-ci, j'ai une chose importante à vous dire, c'est que je viens d'avoir la visite d'un de mes anciens officiers, que j'avais connu en 1939 pendant la campagne, nous servions dans la même unité de prévôté, et nous avions beaucoup sympathisé entre nous, et cet officier est revenu dans la région de Reims pour organiser un réseau de renseignement, un des groupes de renseignement. Et naturellement, me connaissant, il est venu à la brigade prendre contact avec moi pour me charger de rassembler des gens susceptibles de nous aider. Parce qu'il faut vous dire que la région de Reims, cette région de Champagne, était une région très stratégique à l'époque au point de vue militaire. Elle comporte des camps immenses d'entraînement, qui sont les camps de Mourmelon, de Sissonne, de Mailly, de Suippes. Ce sont des installations militaires monstres. Il y avait aussi à l'époque deux camps d'aviation, qui étaient les camps de Courcy et de Juvincourt. Il n'y reste plus que Courcy maintenant. Mais les Allemands occupaient toutes ces installations, ils y avaient amené des troupes, du matériel, ils y faisaient des manœuvres sans arrêt, ça canardait, ça pétardait dans tous les coins, et ça intéressait forcément le service de renseignement allié. Alors dans un premier temps, nous avons été chargés d'effectuer ce qu'on peut appeler du petit renseignement. C'est-à-dire qu'on nous avait demandé de relever les plaques minéralogiques, le numéro des plaques minéralogiques des véhicules allemands, de repérer l'emplacement des batteries de DCA. Autour du village, il y avait plusieurs batteries, camouflés sous des immenses filets avec de la paille et des fagots. De loin, on aurait cru une motte de paille, mais en vérité, il y avait des canons là-dessous. On nous avait demandé ce genre de renseignements. Et puis, au mois de juin 1941, nous avons été servis par une chance inouïe. C'est que les Allemands ont fait appel à de la main-d'œuvre civile pour travailler dans toutes les installations que je vous ai citées. Alors, ma mère s'était fait embaucher à la caserne Mestre à Reims, qui portait pour l'époque le nom de caserne Hermann Göring. Dans ce service était basé un service d'intendance militaire. Alors, dans les services d'intendance, dans toutes les armées du monde, c'est des services qui s'occupent du ravitaillement, du logement, de l'équipement, de la nourriture des troupes. Elle était donc à même, avec les feuilles d'attribution de pactage, les feuilles d'attribution de rations, de logement, de connaître les effectifs et les emplacements des différentes unités. Le réseau avait demandé, que le chef de réseau, que soient relevés la suite de numéros qui étaient inscrits à l'encre de Chine dans les doublures. Nous, on ne connaissait pas ça, mais enfin, dans les doublures des uniformes allemands, il y avait cette suite de numéros. Et après la guerre, nous avons su que les Anglais, qui avaient le catalogue des unités allemandes, avec les numéros correspondants, pouvaient donc ainsi positionner les unités sur le terrain. Alors moi, je me suis fait embaucher au camp d'aviation de Courcy. Alors à Courcy, les Allemands avaient installé un groupe de chasse, un groupe de bombardement et un centre de réparation pour Junkers 88. Alors une fois que j'étais arrivé dans la base, mon chef de groupe, me dit, bon, maintenant tu me relèves, tu me comptes le nombre d'avions naturellement, tu me relèves l'emplacement des soutes à munitions, des dépôts d'essence, des batteries de DCA, des postes de garde, des nids de mitrailleuses. Enfin, tout ce qui pouvait être intéressant, il fallait que je rapporte, je renseigne. Alors nous avions des instructions strictes et absolument draconiennes qui nous avaient été données, de ne faire aucun sabotage ni aucune manœuvre d'hostilité envers les Allemands. Nous devions le plus possible passer inaperçus, ne vous discutez avec personne, ne vous mêlez de rien, continuez votre petit boulot. Votre mission est de regarder, de mémoriser et de nous rendre compte. Alors nous avons fonctionné comme ça jusqu'au 16 août 1942, date à laquelle nous avons été arrêtés. Nous avons été infiltrés par un agent des services de renseignement, comme dit mon camarade, d'un service de renseignement allemand, et nous avons été arrêtés. Nous avons été séjournés quelques jours à la prison de Reims, puis ensuite quelques semaines encore à la prison de Châlons-sur-Marne, et ensuite nous avons été dirigés sur les prisons de Paris. Alors ma mère et puis les autres membres du groupe ont été incarcérés aux prisons de Fresnes. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai été incarcéré à la prison militaire du Cherche-Midi à Paris, où nous avons été placés tous absolument au secret complet.
Je suis sorti 5 fois de cette cellule, c'était pour aller à l'interrogatoire. En dehors de ça, aucun contact avec personne, pas de lettres, pas de colis, personne ne savait ce qu'on était devenu. Nous étions absolument dans le trou, aucun contact avec personne, en dehors des soldats allemands qui nous gardaient. Pas une seule parole, absolument le blackout complet. Et je suis resté comme ça jusqu'au 23 janvier 1943, date à laquelle j'ai d'un seul coup j'ai été attrapé, propulsé dans une cour, où là j'ai retrouvé 200 ou 250 autres Français, autres camarades. Et on était très contents parce que depuis près de 7 mois, je n'avais pas pu en débailler une en dehors de parler aux soldats allemands, mais c'était des conversations très 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 minimes. Et ou à la Gestapo, ben alors là c'était plutôt des conversations désagréables. Et on était très contents de se retrouver entre nous, entre Français. D'autre part, j'ai pu avoir quelques nouvelles, parce qu'on complètement au blackout, on ne savait pas ce qui se passait, on n'avait pas de nouvelles de la guerre. Et le 23 janvier 1943, c'est comme ça que j'ai appris qu'il y a eu un débarquement en Afrique du Nord le 11 novembre 1942. Donc vous voyez, les nouvelles n'étaient pas très fraîches. Mais nous avions un moral de fer, nous étions chauffés à blanc, nous étions très contents de partir en Allemagne, je le dis. Pourquoi? Parce que nous disions, on va aller dans des camps, on va aller travailler. D'autre part, quelquefois, là, le matin, les fins de nuit, j'ai entendu à plusieurs reprises des groupes de gars qui chantaient ou la Marseillaise ou l'Internationale. J'avais vite compris que c'était des gars qui partaient se faire fusiller. Donc on était toujours à la merci de cette affaire-là. Il suffisait qu'il y ait un attentat dans Paris, on risquait toujours qu'ils prennent des otages. C'était ma hantise, j'avais vraiment la frousse de ça. On était content de partir, on dit on va se trouver en groupe, on va travailler. Naturellement, on ne savait pas ce qui nous attendait, ça c'était autre chose. C'était voilà. Le réseau Kléber. J'ai été apporté au réseau Kléber, qui a complètement été dans cette région, était démonté complètement. Bien, je vais maintenant m'adresser aux deux historiens. Les tâches de la résistante féminine ont-elles changé après 1942 ? Ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire que peu à peu, la résistance s'est véritablement organisée. La résistance dans l'ordre, par exemple, s'est organisée en 1942, avec d'abord M. Aubin, surtout dans la région de C. Alors, principalement, disons, pour recevoir des armes, pour envoyer, pour faire de fausses cartes ensuite, en raison de la création du STO en 1943, qui consistait à envoyer des travailleurs en Allemagne, et les femmes, soit à la préfecture comme Mademoiselle Mercier, soit des réseaux de fausses cartes comme Mademoiselle Guinche, Alençon, tout ça c'était des réseaux de connaissances. Au départ on ne savait pas qui travaillait, on travaille entre amis, on finit par se fédérer, et disons que c'est autour de 43 qu'autour de ces activités, il y a une véritable fédération qui se crée dans l'Orne. Et après l'arrestation de Robert Aubin, vous avez M. Desmeules, professeur d'histoire à Alençon, qui reprend le rôle, qui se fait arrêter en juin 1944, si je ne me trompe pas, et ensuite, c'est André Mazine qui prend la succession. Alors, à partir de 1944, M. Genestlé pourrait apporter des compléments, et fin 43-44, surtout printemps 44, la résistance devient l'armée secrète. C'est-à-dire, le grand but de Gaulle, la grande idée de Gaulle, c'est la France qui se libère par elle-même. Pas seulement les Américains qui arrivent, pas seulement la France libre avec le rôle de Leclerc, mais aussi, disons, la France combattante, c'est à la fois les armées de la France libre et les armées de la France résistante. Oui. Et alors, les femmes, disons, ont participé, nous le disions tout à l'heure, pour aider les maquis, pour cacher les armes, pour servir d'agents de liaison. Et alors, autour de, disons, au moment du débarquement aussi, elles ont pu participer à des faits d'armes, mais en moins grande quantité. Oui. Ces images, pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, ces images de femmes avec mitraillettes sont celles que l'on a l'habitude de montrer parce que c'est assez spectaculaire. Mais en fait, les armes, les femmes ont été... C'est la libération de Paris qu'on a vue tout à l'heure, ces femmes avec la mitraillette. Ça a été assez exceptionnel, il faut oui. le reconnaître. Hein. Ce n'était pas leur rôle. Mais je voudrais, vous venez de parler de la France libre. On a oublié qu'il y avait des femmes aussi dans la France libre et que l'on considère comme des résistances. La France libre, c'est la résistance extérieure. Et je voudrais citer le cas
qui est racontée dans un livre qui malheureusement ne se trouve plus en librairie, c'est l'histoire de la plastiqueuse à bicyclette. Cette petite Bretonne qui avait 19 ans au mois de juin 1940, vers le 17-20 juin quand les Allemands sont arrivés vers le front de la Bretagne. Elle était à Brest et elle était travaillée dans un laboratoire de chimie. Bon, dès qu'elle a su que les Allemands étaient aux portes de Brest, elle a fait une valise, c'est elle qu'il raconte, et on peut le vérifier parce qu'elle est encore vivante. Elle a terminé sa carrière comme prof de maths. Bon, donc à l'éducation nationale. Bon, donc elle prend sa valise, elle s'en va au port de Brest, et voilà des bateaux qui partaient. L'un avait des... elle a aperçu un certain nombre de militaires en uniforme français. Elle a sauté là-dedans, et s'est révélé par la suite que c'était des Polonais. Mais ça n'a aucune importance. Le bateau allait en Angleterre. Elle est arrivée en Angleterre, et là, c'était le 17, entre le 17 et le 20 juin. Donc elle n'avait pas entendu l'appel de De Gaulle. Mais enfin, elle a su, en arrivant en Angleterre, que De Gaulle existait à Londres. Elle est allée se faire enregistrer comme volontaire. Bon, à l'époque, qu'est-ce qu'on donnait aux femmes comme volontaires dans l'armée régulière? Conduire un camion, enfin pour une voiture, servir d'infirmière ou des choses comme ça. C'est pas pour ça qu'elle était venue. Elle a demandé à faire un stage de parachutiste. Elle l'a fait. Elle a demandé ensuite à faire un stage de sabotage. Elle l'a fait. Et lorsqu'elle s'est sentie ainsi bien préparée, elle a demandé d'être parachutée en France. Elle est tombée ici, sur un terrain tout près de là, à Selboine, le terrain Ouragan. Et c'est là, à partir de là, qu'elle est partie avec sa bicyclette vers la Bretagne, où elle a exécuté le plan de sabotage qu'on lui avait donné, fait sauter des ponts, fait sauter des pylônes, etc. Et elle s'est retrouvée au maquis de Saint-Marcel, ensuite avec Madame Croiset, etc. Enfin, oui, c'est pour montrer, ça c'est un exemple de femme, une jeune femme, qui a mené une résistance vraiment active et dès le premier jour, presque. Oui, on pourrait citer des cas dans l'ordre. Et le cas d'Eugène ou d'Étienne Pantou, je ne me souviens jamais du prénom. Oui, Étienne Pantou, oui. Étienne Pantou, qui était un des responsables de la résistance à Argentan. Argentan, oui. Et il est arrêté avec sa fille. Lui est fusillé dans sa carrière dans la région d'Argentan. Devant sa fille. Devant sa fille. Et elle est déportée dans camp à Ravensbrück, en Allemagne. Elle reviendra ensuite. On pourrait citer un autre cas, le cas de... De Simone Viel. De M. Viel. Non, Simone, oui, son père. Oui. Le père, oui. Qui était responsable d'un maquis dans la forêt, à la limite... À côté de la Ferté-Massé. Oui, de la Mayenne et de l'Orne. Oui. Alors, tout d'abord, là, le rôle des femmes et sa femme, la femme de M. Viel, va dans un café à la Ferté-Massé. Bon, elle discute avec le cafetier, croit avoir confiance. Manque de chance, c'est un dénonciateur. Bon, il ne dit rien sur le moment. Il parle avec la femme de M. Viel. Il dit, je voudrais faire partie du mouvement. Et la femme de M. Viel l'emmène chez son frère, dans la Mayenne. Tout le monde discute. Et finalement, en discutant, on apprend que M. Viel se trouve dans un maquis. On apprend à peu près l'endroit très précis du maquis. De cette façon-là. La femme de M. Viel est naturellement arrêtée. Le maquis va arrêter, la Gestapo, aidée de la milice, va attaquer le maquis dans le nord de la Mayenne. Il y a une vingtaine de morts parmi les Français. Et M. Viel est arrêté, sa fille est arrêtée aussi, et fort heureusement, à la libération, et M. Viel reviendra, sa fille, autant que je me souvienne aussi. Oui, ben oui. Et il y a un autre cas aussi, on peut citer, le cas de la famille Lemierre. Oui. Et ce M. Lemierre, jeune de 20-30 ans, recevait des armes dans la Mayenne. Il était lié avec le groupe Focard, Jacques Focard, qui travaillait dans la forêt des Couves. Et avec sa fiancée, il cache les armes dans la Mayenne. La Gestapo allemande finit par connaître le tout. On va attaquer le dépôt d'armes dans la Mayenne. Et M. Lemierre est arrêté, sa fiancée aussi, ses parents aussi. Et
la future Madame Lemierre ira à Wunsbruck. Et là encore, je dirais que Madame Lemierre a eu du bonheur, c'est qu'elle retrouvera son fiancé après la guerre. Et Monsieur Lemierre retrouvera aussi ses parents. Voilà des exemples d'engagement féminin. Mais disons que souvent, le résistant engageait véritablement toute sa famille. Toute sa famille. Et ça, puisque je viens de parler tout à l'heure des terrains d'atterrissage, des terrains de parachutage, à Selbonne et ailleurs. Bon, nous avons ici la veuve d'un des acteurs actifs, c'est Madame Briand qui est là. Le petit Maurice était un phénomène connu partout sur les terrains de parachutage. Mais je voudrais dire que ces terrains, eh bien, qui fonctionnait donc à la limite de l'Orne sous les ordres d'abord de M. Paysan, avant qu'il ne soit amené à dégager pour éviter l'arrestation. Et ensuite, il a passé le flambeau à M. Gros, qui était un alençonnais employé de préfecture. Gros a mis dans le coup toute sa famille. Et vous avez une plaque tout à l'heure, là, vous avez montré les plaques de résistante d'Alençon. Il y a Mme Brière. Et Mme Brière était la sœur de Gros, et puis d'autres, il avait une famille de, je sais combien, c'était 4 ou 5, Simone, combien étaient les Gros? Les Gros, étaient 7. 7, oui, alors il avait mis presque tout le monde dans le coup. Hein. Eh bien, Madame Brière servait de boîte aux lettres, ça c'est un autre aspect dont on n'a pas parlé. Elle habitait là, du côté de la gare, je crois, et là, elle recevait des messages, c'est là que passaient les officiers de liaison et autres. Bon, elle a été arrêtée avec son mari, je crois. Le mari n'est pas revenu, elle est revenue, elle est morte en revenant de déportation, complètement anéantie. Mais alors, je parlais de ces terrains de parachutage encore dans la Mayenne, là, en bordure de Sarthe, mais c'était comme si c'était dans l'Orne, presque. Les familles entières ont été arrêtées. Le père, la mère et les fils. Oui, le frère du père, l'oncle, par rapport, et les neveux. Famille Tournelle, la famille de Rennes, ont tous été embarqués, et les femmes aussi, là. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail. Non, il n'y a pas eu de femmes chez Tournelle. Je ne suis pas chez Tournelle, non. Mais ils ont été 5 arrêtés. Oui, 5 arrêtés, oui. Voilà, enfin, je ne sais pas si on a débordé un peu, peut-être, je ne sais pas où on en est, mais... Maintenant, maintenant que nous avons vu la résistance et les femmes... dans l'Orne et dans l'Europe, avec quelques petites anecdotes, nous allons enchaîner avec un troisième documentaire qui s'intitule « Les femmes, la déportation et la libération ». Certaines images peuvent choquer, images d'archives ou de fiction, elles disent ce que les mots souvent ne peuvent exprimer. Le parcours des femmes résistantes passe par les mêmes étapes, les mêmes souffrances et le même espoir. La première étape se déroule dans les prisons. Les résistantes sont incarcérées dans des conditions terribles. Au grand secret, dans des cellules minuscules, les trous ignobles et dégradants. Ces prisons sont l'antichambre de la mort, d'une mort parfois annoncée, toujours attendue, dans les bruits de couloirs au petit matin. Combien de femmes incarcérées? Combien en France? 200 000 au moins en Allemagne pour associabilité, rébellion et indiscipline, mais partout la même fraternité. Pour nombre d'entre elles, avant la déportation ou la mort par pendaison en public, plus de 25 000 femmes en Yougoslavie, l'exécution au fusil ou la décapitation en Allemagne, une étape terrifiante, la torture. Pour obtenir des renseignements, la Gestapo fait subir à ces femmes des tortures monstrueuses. Grêle de coups, supplice de la baignoire, sévices de toute nature. Difficile encore aujourd'hui d'évoquer ce terrible moment. Thank you.
Honorine Caillou, si tu ne dis pas la vérité, ça va te coûter très cher. Connais-tu cette dame ? Quatre jours et quatre nuits pour atteindre Ravensbrück. Une robe rayée en fibrane, puis des guenilles, parfois tondues. Des femmes SS pour surveiller, des hommes SS pour les commandos de travail. Et puis le rythme du camp, l'appel, le terrible appel. Glacial de l'automne 1942, l'appel. L'appel qui durait des heures. Je n'y manque. Je serai. Sie sind wohl sehr müde, nicht? Ein paar Kniebeugen werden Sie wieder frisch machen. Blockälteste. Mieder! Auf! Mieder! Auf! Mieder! Der ganze Block bleibt heute zur Strafe stehen. Sagen Sie den Russen und Franzosen, dass sie wegen der Polen stehen müssen. Jawohl. Ty, czelna krowo! Ja cię nauczę, jak się na moim bloku stoi apel. Przecież widzisz, że ona nie może stać. No ale będzie stać, choć już miała zdechnąć. I wy wszystkie razem z nią! Le travail et la violence, la maladie et pour ces résistantes polonaises, les expériences médicales. Et puis la sélection, le choix. En 1945, à la libération, quand les camps ont été ouverts, on a trouvé des femmes martyrisées, agonisantes. Il est donc vrai que les résistantes sont allées jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de leur propre vie. Mais il faut savoir que de la prison à la déportation, elles ont subi exactement le même parcours que les hommes. C'est ce que va nous présenter Stéphanie. Nous savons tous que la déportation a été un parcours difficile, un sujet très délicat. Madame Comte, vous avez été déportée ? Oui, après avoir passé 9 mois dans différentes prisons, enfin, après avoir fait des allers-retours entre Alençon, Rouen, Romainville, Alençon, Le Mans, de nouveau Romainville, nous avons été déportés avec maman. Déportés en un premier temps à Neubrem, qui était un tout petit camp tout près de Sarrebruck, ça nous a fait voir tout à fait ce à quoi on était destinés. Sarrebruck, c'est pas loin des Vosges, on voyait encore la France. Et là, dans ce petit camp, où nous sommes restés, je pense, 4-5 jours, mais dans des baraques sans eau, sans sanitaire, et puis où chaque jour on nous a fait
alignés le long d'un espèce de bassin. Alors autour de ce bassin, on faisait courir les hommes qui étaient donc de l'autre côté, avec leur baraque de l'autre côté du chemin par rapport au nôtre. On leur faisait faire une gymnastique ahurissante, debout à plat ventre, courir. Et puis on en jetait dans le bassin et on les empêchait de ressortir. Ceux qui ressortaient, qu'on laissait ressortir, ils se réintégraient dans la ronde, debout, courir, aplati, etc. C'est la première fois que j'ai vu un JB, autrement que de jouer sur les cartons ou pendus. Il était à l'entrée du camp. Alors, de Neubrem, nous sommes partis à Ravensbrück. Là, nous avons eu une très courte... Enfin, notre convoi a eu une très courte quarantaine à Ravensbrück. Et puis, nous avons été aiguillés sur un petit camp qui dépendait de Sachsenhausen-Oranienburg. Et qui était au sud de Berlin. Ce commando s'appelait Gartenfeld. Et il alimentait en main-d'œuvre pas chère, bien sûr, puisque les Allemands exploitaient notre main-d'œuvre, même affamée. Ce camp alimentait. Il y avait 3000 femmes et 3000 hommes, et il alimentait cette usine. Oui. Je sais, c'est délicat. Le genre de travail. Les Françaises dans notre camp Gartenfeld, les Françaises étaient affectées à la Siemens Kabelwerk. Alors c'était la fabrication de câbles électriques, les maillages. Il y avait trois commandos spéciaux. Il faut vous dire quand même que quand vous arriviez à Ravensbrück, sur une place d'appel qui n'en finissait absolument pas, hein, comme vous avez vu, on commençait par vous dénuder. On vous enlevait, et c'était voulu, on vous enlevait toute votre dignité. Imaginez-vous... parce que je n'étais pas toute seule, j'avais quand même des camarades qui avaient simplement 2 ou 3 ans, 4 ans de plus que moi. Mais nous avions aussi des compagnes qui en avaient 60. Imaginez-vous, quand on vous met toute nue, vous êtes 2 ou 3 000 comme ça, vous avez encore un corps présentable. Quand vous êtes jeune, vous l'avez beaucoup moins, à 60, 40 et 60 ans. Il y avait ta grand-mère parmi ces... Non, non, ma grand-mère était partie avant, alors on l'a retrouvée. Mais il y avait maman, il y avait madame, je ne me rappelle plus, qui, de Courtomer. Hein? Il y avait madame Ricroft. D'Argentan, oui. Hein, d'Argentan. Il y avait Madeleine Toutain, oui. Hein, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Il y avait des Bordelaises, il y avait des Parisiennes, il y avait des... Dans les Françaises de notre convoi. Il fallait... Donc, on nous mettait toutes nues, on nous faisait passer à une douche. Heureusement, ça n'était pas une douche avec les... de la chambre à gaz, mais ça y ressemblait. On vous donnait un paquetage. Alors le paquetage, on a dit tout à l'heure que c'était des robes rayées. Nous, il ne devait plus avoir de robes rayées. Alors nous avons eu des robes tout à fait fantaisistes, mais elles étaient avec des grandes croix devant et derrière, coupées sous les croix. Il y avait des grandes croix de façon à ce qu'on ne puisse pas se sauver. On touchait une culotte, un genre du Bermuda. Et puis un foulard. Vous avez tout le temps gardé Oui, parce qu'on n'avait que ça pour ça. Elles étaient désinfectées quand on les a eues. Au bout de très peu de temps, ça s'est rempli de poux. Et ça, vous n'y pouvez rien, c'est les camps. Aussi, la façon dont ils s'arrangeaient pour nous enlever absolument toute notre dignité, c'est que nous devenions des morceaux, des stucs, hein, c'est, en allemand, c'est des morceaux,
Et il fallait, nous n'avions plus de nom, nous avions un numéro. J'ai dû arriver dans les 38 000 quelque chose. Je ne me le rappelle plus, mon numéro de Ravensbrück. Mais il fallait que dans le quart d'heure qui suive, on le connaisse par cœur. Bon, quand moi j'avais fait 2 ans d'allemand, et puis papa m'avait fait, avec les juifs qu'on avait hébergés ou connus comme ça en cours de transit, maman m'avait fait suivre des cours d'allemand avec, on faisait un échange. Alors donc j'avais quand même quelques notions d'allemand en plus de celles de l'école. J'ai pu apprendre mon numéro par cœur. Mais cette dame qui tenait un hôtel à Courtomer, qui avait dans les 50 ans, qui savait très bien faire du pot-au-feu, etc., moi, vous, elle parlait pas l'allemand du tout. Et quand vous ne saviez pas votre numéro, c'était un coup de schlag ou un coup de goumi. Alors les goumis, c'est des bouts de gomme souple, ronde, enfin des matraques souples. Matraques, oui. Et puis on vous mettait toute nue, je vais vous le dire, je vous le donne en mille, pour vous regarder les dents. C'est vrai que c'était pratique. Et puis après ça, on vous rhabillait, on vous faisait rhabiller. Et puis vous passiez, alors là, c'était aussi une autre atteinte à notre dignité, pour regarder vos intérieurs. Alors, vous, peut-être que maintenant vous êtes plus avancé dans l'étude anatomique, etc. Mais quand vous avez un soldat allemand qui vous fourrage dans vos intérieurs, que vous n'avez jamais eu d'attouchement sexuel, comme on peut dire, c'était pas du tout sexuel, hein, mais c'était quand même, c'est très agréable. Mais les jeunes comme les vieilles. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on commençait à nous enlever notre dignité. Et puis après, il y avait la faim. Alors, la faim, on l'avait déjà un peu connue en prison, parce que en prison, on mangeait des orties avec les racines, on mangeait des soupes de verre de farine, on mangeait... Mais comme on avait faim, on les mangeait. Mais là-bas, la faim était vraiment une torture. Et je crois que on peut pas imaginer ce que fait la faim. Je crois que mes deux camarades là qui ont été en camp, la faim ça vous tord, votre estomac réclame quelque chose et on nous donnait rien. C'est une souffrance perpétuelle en plus du travail qu'on nous a donné après à faire dans les commandos. C'est le mot faim, vous pouvez pas. Ni les uns ni les autres qui n'y êtes pas allés, vous ne pouvez pas savoir. Et puis il y a eu aussi après la dysenterie. Alors ça, c'était encore autre chose. Après l'estomac, c'était les intestins qui étaient complètement déglingués. Et beaucoup de gens sont morts de dysenterie. Et comment s'est passé votre retour? Ah, mon retour... L'usine a été bombardée, alors on nous a rapatriés sur Sachsenhausen. C'est à ce moment-là qu'on a su que les deuxièmes numéros que nous avions, qui étaient beaucoup plus faciles à retenir parce qu'ils n'avaient que 4 chiffres, on nous a, dès que notre commando a été bombardé, on nous a rapatriés sur Sachsenhausen. On y restait un petit moment, on a été bombardés, et puis... Les Allemands ont fait sortir tous les hommes valides. Bon, moi je suis restée parce que tous les hommes et les femmes valides. Et ils ont fermé le camp. Moi, c'était la panique et je suis restée parce que maman était malade et était au Revire. Revire, c'est l'hôpital, l'infirmerie. Et puis, on est resté quelques jours avec à pouvoir se promener dans le camp. Parmi les cadavres, parce que là maintenant, plus rien ne fonctionnait, donc les gens continuaient à mourir, les cadavres s'amoncelaient, il y en avait partout. Et puis, les obus passaient d'un côté et de l'autre, au-dessus du camp, parce qu'il y avait
les Allemands d'un côté et puis les Polonais et les Russes de l'autre côté. Et quelques jours après, on nous a dit, bon, ben, ceux qui peuvent marcher, vous... on n'est pas sûr de tenir le camp. Et à ce moment-là, j'avoue que je n'avais plus, moi, alors, un autre signe d'avilissement, je n'avais plus que l'instinct de survie. J'étais dire au revoir à ma mère, mais je suis pas, la deuxième fois, je ne suis pas restée. Tellement c'était, ben pour moi, ça n'était plus supportable et il fallait que j'arrive à fuir ces obus qui passaient au-dessus du camp, etc. Et puis on est resté à peu près un mois ballotté de droite et de gauche, et puis on est rentré au mois de juin. Et maman est rentrée 3 semaines après moi. Eh bien, merci beaucoup. Monsieur... Faut dire aussi que dans le petit camp de travail, on travaillait 12 heures par jour quand même. Alors on avait le matin, on se levait de très bonne heure, on nous faisait lever de très bonne heure quand on ne nous avait pas fait lever la nuit, s'habiller, mis en rang, et puis rentrer en passant sous la schlag. Et puis, on se levait vers 5 heures du matin, on avait... l'appel, on partait travailler, on avait une soupe le midi à l'usine, et on revenait le soir, au bout de 12 heures de travail, de nouveau l'appel et la fouille, et on avait la gamelle de soupe et le petit morceau de pain, mais les pains, c'était des pains carrés comme ça, et on en avait à peu près épais comme le doigt. Bonne journée. Les lits étaient aussi très confortables. Nous avions des chalets à 3 étages. Et on était... nous, on avait de la chance, on a été qu'à 2 par lit. Mais quand on a retrouvé Sachsenhausen, après le bombardement de notre camp, nous y étions 3 ou 4. Ah oui, bon, 60 centimètres. Oui. Et... J'ai eu, moi, mon troisième étage, parce que comme j'étais jeune, j'avais trouvé un lit au troisième étage. On avait un peu plus d'air. Il y avait 5 lattes dans la mètre. C'était très confortable. C'est ce genre de truc qu'on... J'allais dire qu'on ne peut pas imaginer. Comment voulez-vous vous reposer, le peu de temps qu'on vous laisse à dormir, hein? Et puis nous étions envahis par les poux. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument ahurissant quand vous avez des poux qui fourmillent dans les ourlets de votre robe, dans les ourlets. Alors notre occupation le soir, une fois que nous avions mangé notre soupe, et bien, c'était de nous déshabiller puis de passer l'eau, nos coutures de robe. Sur le bord du poêle pour pouvoir griller les poux. Oui. Ce sont des conditions. Je n'exagère pas, non, n'est-ce non, pas non. Vous aviez les mêmes conditions. Oui, au qu'au début, je suis arrivé le 23 janvier 1943 et les camps n'étaient pas surchargés comme à la fin. Et nous avions encore à cette époque-là ce qu'ils appelaient le loss control, le relevé de poux. Alors, le loss control, c'était le dimanche, rassemblement dans la cour sur la place d'appel, tout le monde à poêle. Il y avait des capots qui prenaient les habits, qui regardaient dans les coutures, et nous on montait sur un tabouret devant les infirmiers SS, et ils nous regardaient de partout. Ils regardaient de partout avec des baguettes. Alors moi j'étais gamin comme toi, bon ça passait, mais on avait avec nous des pépères, des prêtres entre parenthèses, qui montaient sur le tabouret, et c'était immédiatement des insultes et tout ce qui s'ensuit, c'était affreux quoi. Alors malheur à l'époque, bien sûr, après on était couvert de poux dans les mois à venir, mais à l'époque, ceux qui avaient un poux, c'était terrible. Ils prenaient une bastonnade de premier et c'était... Nous, quand nous sommes arrivés au camp d'Inzert, je vous le dis, nous étions contents de partir parce qu'on était enfermés dans les prisons de Paris. On les envoyait en Allemagne travailler, on ne connaissait pas ce qui nous attendait. Et quand nous sommes arrivés là, sur la place d'appel du camp d'Inzert, que nous avons été accueillis par toute une aéropage d'officiers SS, le commandant du camp, plus entouré des capots, ils nous ont fait aligner, naturellement, nous avons été immédiatement harcelés, battus, castagnés, et le commandant nous a fait traduire un capot interprète, disant, vous les Français, vous êtes la dernière race, vous êtes une sale race, vous êtes moins que des chiens, vous vous en faites pas, vous êtes venus ici pour crever et je vais m'y employer. Et puis immédiatement, nous avons été dirigés comme toi vers les baraques des Feltenkammer,
rasé des pieds à la tête, puis un poil, assez sur la tête, à l'époque j'avais des cheveux. Donc nous avions, il nous avait coupé les cheveux à 1,5 cm ici, et au milieu, une raie à double zéro. C'était là, on appelait ça la Strasse là-bas. La Strasse. Ouais. On a parlé de la solidarité dans les camps. Oui, la solidarité, justement, là, moi, quand je suis sorti de cette camère, où nos camarades qui sont derrière, on connaissent comment on sortait de là-dedans, après la douche, on nous passait un espèce de badigeon au grésil, sur les endroits rasés, c'était vraiment le feu des enfers. Bastonné à des ordres que nous ne comprenions pas, parce que moi, contrairement à toi, je ne comprenais pas l'allemand. J'aurais dit à ma mère que je voulais apprendre l'allemand, elle m'aurait tué sur place, bon. Alors, je ne connaissais pas l'allemand, je ne connaissais rien, alors nous recevions des ordres en allemand que nous ne comprenions pas, des ordres violés, les chiens, ils nous avaient fait rentrer des chiens là-dedans, ils nous cognaient et tout. Quand je suis arrivé dans le bloc de quarantaine, complètement abruti, complètement, j'ai entendu un gars qui m'a dit, toi le gamin, tu viens avec nous. J'avais 16 ans à l'époque. Et j'étais intégré dans un groupe de policiers de Paris qui étaient là, qui avaient été arrêtés aussi, qui étaient dans mon convoi que je ne connaissais pas. Eux, ils étaient déjà organisés, c'était groupé entre eux. Et ils m'ont dit, toi le gamin, tu viens avec nous. Et ces gars-là, ils m'ont protégé, ils m'ont aidé, parce que si n'avaient pas été là, c'est pas rentré. Ils m'ont sauvé la vie. Parce que le gars qui était tout seul dans un camp était l'homme mort. Parce que dans les camps, il fallait se protéger de tout, non seulement des SS, non seulement des capots, mais aussi de la promiscuité. Promiscuité entre les... Je ne veux pas employer le mot race, mais enfin, entre les nationalités. Promiscuité, parce que le type qui était tout seul, il ne pouvait jamais manger, on y volait son pain. Il ne pouvait pas se laver parce qu'on y volait sa chemise, on y volait son torchon pour se laver. Alors quand on coupait le pain, nous, le fameux pain cake, là, bon, on prenait ça, au début, c'était la machine à 12. Ben, il y en avait 4 qui coupaient le pain, qui surveillaient, qui mangeaient, et les autres tournaient autour pour surveiller. Parce que si vous ne surveillez pas, il y avait une échauffourée, il vous arrivait un groupe de Polonais ou de Russes, je ne sais pas quoi, et ils vous barbotaient le pain, c'est déterminé. Oui. Quand on allait se laver, bon, fallait y aller à 3. Parce qu'il y en a un, voilà, vous aviez la tête sous le robinet et d'eau froide, il y en avait un qui surveillait la chemise et le bout de savon, l'espèce de savon de Pierre Ponce, plus le torchon. Parce que si le gars était la tête sous le robinet, il tendait la main, terminé, il n'y avait plus rien. Donc c'était le groupe. Le gars qui était isolé, il mourait très rapidement. Et c'est la solidarité qui nous a sauvés. Pour les femmes, c'était la même chose. Alors pour les femmes, ah mais moi, le premier geste de solidarité, c'est que quand on est arrivé à Ravensbrück, donc au début de la quarantaine, il arrivait une colonne. Alors moi, j'aimais bien l'air, alors j'étais à l'extérieur de notre colonne. Et il est arrivé une colonne qui rentrait du travail. Et dans cette colonne, il y avait une jeune femme qui était une prostituée que j'avais connue en prison à Rouen. Parce qu'en prison, moi, l'étudiante qui pensait aux Français, à la géométrie dans l'espace, à la descriptive, à l'algèbre, je venais de passer mon bac en première partie, mais où on faisait toutes les matières à l'époque. Hein. Et puis je ne savais pas ce que c'était que le trottoir, les bordels et la prostitution. C'était pas monnaie courante, vous êtes mieux informés, vous. Et, bon, alors moi, j'ai été pendant un certain temps, à Rouen, avec, nous étions 13 dans notre cellule, il y avait 12 prostituées qui avaient été arrêtées par les Allemands et qui ont été déportées. Et alors, elle m'a crié, « Bonjour Françoise, mets-toi à l'intérieur !» J'ai pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Je me suis mis à l'intérieur du rang. J'ai mis une vieille dame à côté, la dame de Courtemer à côté. Et oui. Mais pourquoi ? Eh bien parce que... puis à l'époque, j'étais bien balancée. Je faisais beaucoup de sport avant d'être arrêtée. Alors, parce qu'on prenait les jeunes pour faire des expériences. On leur créait des plaies artificielles, on fourrait des chiffons remplis de benzène, on refermait, on regardait comment ce que ça faisait, ils faisaient un tas d'expériences sur les jeunes. La solidarité, moi, au camp, je l'ai connue comme ça. Moi aussi, je l'ai connue. Mais vous, c'est des petites choses, et puis d'autres fêtes aussi. Solidarité, j'ai vu qui a été faite au camp d'Inzert, c'était pour la médaille Hugo, c'était un curé, et c'était le martyr du camp. Il prenait des volets, le capot, il ne le lâchait pas. Et il passait sous la douche, et l'hiver, c'était le mois de janvier 43, il a fait un hiver terrible. Alors il passait sous la douche, et puis après il mettait avec les menottes derrière le dos, devant le bureau. Un quart d'heure après, le pauvre curé, il était transformé en statue de glace. Et alors le capot aussi, quand on mangeait notre soupe,
Alors, il lui disait, toi, viens là, le curé, t'as pas besoin de bouffer. Bon, alors le pauvre curé s'approchait, il mettait la gamelle dans les mains, puis il disait, allez, récite des prières et fort, que je t'entende. Alors, le curé récitait ses prières, enfin, disait des prières, et quand on avait fini de manger notre soupe vite fait, il attrapait la gamelle et il la jetait. Et alors, l'abbé Daligaud ne pouvait jamais manger. Et le docteur Chabot, qui était un médecin du Révire, un médecin français, avait fait passer par téléphone arabe à tous les blocs de français, enfin, tout au moins aux nôtres, en disant, voilà, les gars, il faut aider Daligaud. Alors sur notre pauvre ration de pain, tu connais ce que c'est que la ration de pain qu'on avait, on prenait tous un petit morceau de pain comme ça, on mettait ça dans un sac. Et puis alors, le soir, on était un peu tranquille entre deux travers, on disait, allez, mange ça. Il avait un sac de pain, et comme il avait eu toutes les dents cassées par les coups, il mettait de l'eau, j'ai le souvenir de ça, dans sa gamelle, ça faisait une espèce de brouet, et il mangeait ça. Et bon, on l'a soutenu comme ça, ce père Daligaud. Et pour finir, il a été emmené à Dachau, et c'est à Dachau qu'il a été tué le jour de la libération, il a été amené au crématoire, et ils l'ont abattu, là, au crématoire. C'est un des gars que j'aurais voulu revoir après la guerre, parce que c'était vraiment un martyr de tous les jours. Il a pris des volées, mais des volées épouvantables. Non, il s'acharnait. C'est ça qui était terrible, c'est que dans un commando, il s'acharnait, il voyait les professions, les gens qui n'avaient pas l'habitude, pas les manuels, les intellectuels, il s'acharnait sur ces gars-là. Pour la terrasse, pour tout ça, allez, hop, c'était ça, c'était tout. Toi, le curé, t'es un feignant, allez, mène la pioche. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais notaire, il avait un. Oh, il a pris des volets, celui-là aussi. Parce que, allez, toi, forcément, feignant, voleur, allez, oh. C'était ça. Oui, puis quand on allait à la soupe aussi, ouais. Pour nous enlever notre dignité, on avait tellement faim, on se précipitait sur la soupe, alors fallait essayer d'être en rang. Et puis de temps à autre, eh ben, on avait un coup de louche. Mais les louches, elles faisaient un livre, et puis elles avaient des grandes. Pour aller dans le fond des cubelles, elles avaient des manches d'un mètre à peu près. Hein? Et vous tendiez votre gamelle, et au lieu d'avoir quelque chose dans votre gamelle, c'est un coup sur la tête que vous aviez. Oui, c'est en plus de ce. C'est toutes ces petites choses. Qui ont fait que ils sont arrivés à ce que nous soyons des ch'tucs. Et en ce qui concerne les capots, alors c'était des tantôt moi je voyais beaucoup en déserte, on a eu des capots polonais qui étaient vraiment infects, et puis alors au bout de 3-4 mois, 5 mois, ils déclassaient ces capots-là, ils mettaient des capots ukrainiens. Ah. Alors automatiquement il y avait la guerre, ils renchérissaient encore pour garder leur place, alors c'était terrible. Et nous avions une Blokova russe, nous. Mais j'avais un gros avantage, c'est de savoir l'allemand. Ouais. Alors moi, j'ai réalisé un jour où Robert Mouton disait, oh ben puis nous, ce qui était le plus difficile, c'est qu'on ne comprenait pas ce qu'il se disait. Mais moi, j'avais l'avantage, je savais l'anglais, je savais l'allemand. Et les quelques mots d'allemand que savaient les polonaises ou les russes, je pouvais me... garantir. Je pouvais, oui. C'est trop longue. Hein. Ah non, mais c'est très très intéressant, même très passionnant. Mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça. Mais je vous remercie tous, c'était vraiment très très bien. Enfin voilà, alors je pense que je vais repasser à Béthanie. Et puis, donc notre émission touche à une fin. Nous espérons qu'elle vous a permis de voir la résistance et surtout le rôle des femmes dans la résistance sous une toute nouvelle approche. Et en particulier, on va remercier tout le monde, surtout nos invités, pour toutes ces petites anecdotes que autrement n'aurions jamais pu connaître et qui nous ont ouvert les yeux sur des choses fascinantes qui nous touchent énormément, même si on ne peut pas trop s'imaginer tout ce qui a pu se passer à cette époque. Nous remercions la régie, nous remercions les caméras et le public. Et puis, voilà. Au revoir. D'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui deviendra et qui reviendra dans ta vie ensoleillée. De Robert Desnos.